Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3036 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 24 août avec les résultats de la veille et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Montpellier pour la deuxième journée de Ligue 1 et ça a été un festival de buts, 6-0 pour le PSG qui a écrasé, humilié cette équipe de Montpellier. Donc les buteurs, Bradley Barcola, auteur d'un doublé, Asensio buteur, Hakimi buteur, Warren Zaïre buteur et pour finir c'est Kanguini qui a fini ce festival de buts et du coup un match à sens unique hein, pour le Paris Saint-Germain, 71% de possession de balle, 21 tirs pour les Parisiens, 10 tirs cadrés, 6 buts marqués, seulement 4 arrêts du gardien Benjamin Lecomte, le gardien de Montpellier qui avait une soirée très compliquée. Donc Montpellier seulement 29% de possession de balle, ils ont eu quelques tirs, hein, 6 tirs, 3 tirs cadrés, mais aucun but marqué. Voilà, donc ça a été un festival et un match à sens unique pour le Paris Saint-Germain, surtout une fête au Parc des Princes vu que c'était le premier match de cette saison à domicile pour l'équipe parisienne et ça fait la une du journal L'Équipe aujourd'hui, hein, cette grosse victoire des Parisiens. Paris donne le tournis et le PSG a régalé le Parc des Princes en alliant la manière avec l'efficacité sous l'impulsion notamment de Bradley Barcola, auteur d'un doublé, élu homme du match. Bradley Barcola, quelle partie il a encore réalisé. Regardez par exemple dans le journal L'Équipe aujourd'hui, il a obtenu la note de 9 sur 10. 9 sur 10, c'est pas non plus parfait, parfait, c'est 10 sur 10, c'est excellent. C'est un excellent match tout simplement de Bradley Barcola. On a l'impression là qu'il prend les clés de l'attaque du Paris Saint-Germain et c'est parfait. Peut-être le remplaçant d'Mbappé, il était peut-être déjà au sein de l'équipe parisienne. Donc grosse attractivité hein, pour Bradley Barcola. Et à la fin du match, il a dit « Je me suis un peu plus libéré depuis l'Euro. J'ai pris conscience que je pouvais faire des différences. » Et oui, il les fait les différences. On a pu le voir à l'Euro, on a même pu le voir la saison dernière avec le PSG. On a pu déjà le voir même avant à Lyon. Et maintenant, il le confirme en ce début de saison du côté du Paris Saint-Germain. Et par rapport à son doublé, parce que c'est son premier doublé en professionnel, il a dit premier doublé en pro à la maison, c'est magnifique, bien évidemment, pour ce joueur. Et c'est vrai qu'il inscrit le premier doublé de sa carrière, toute compétition confondue. L'ailier est impliqué dans 8 réalisations, donc 5 buts et 3 passes D lors de ses 7 derniers matchs avec Paris en Ligue 1, soit 2 de plus que sur ses 20 premiers matchs. Sous le maillot du PSG où il avait inscrit sous ses 20 premiers matchs. Hein. Donc il avait inscrit 2 buts et 4 passes D. Alors que là, il est déjà à 5 buts et 3 passes D sur ses 7 derniers matchs. Donc oui, là, il est en grande, grande forme, on peut dire. Bradley Barcola. Et Barcola, actuellement, c'est le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Donc il a inscrit 3 buts depuis le début de la saison. Il est provisoirement le meilleur buteur du championnat devant Mason Greenwood et Luis Enrique. Les deux joueurs de Marseille qui ont marqué un doublé. Bon, ils ont un match en retard. Ils vont jouer là ce week-end, demain contre Reims. Ils peuvent revenir sur Barcola. Mais ça bouge pas, Barcola aura le... S'il est toujours le meilleur buteur lors de la troisième journée, il aura le petit badge, hein, top scorer, on peut dire, sur son maillot lors de la prochaine rencontre. Hein, le PSG, ça sera à Lille, hein, ça sera dans 8 jours, dimanche prochain. Et voilà, toujours avec Barcola. Il y a des polarités hier, mais il fallait retenir son maillot, tout simplement. C'était très compliqué d'arrêter Barcola quand il est dans un soir comme ça. Il est, voilà, c'est un genre de top monde, on peut dire, top mondial. On continue, donc Barcola a parlé, hein, donc 3 buts en 2 matchs en ce début de saison. On va parler aussi de João Neves. Donc lui, cette fois-ci, il a commencé titulaire. Il avait joué une mi-temps lors du match d'avant. Il a délivré encore 2 passes décisives, et c'est simple. João Neves, 2 passes D lors du match contre le Havre, 2 passes D hier en 45 minutes. Il a déjà 4 passes décisives en championnat. C'est quand même pas mal. C'est même très très bien, bien sûr, pour un joueur qui vient d'arriver du côté du PSG il y a quelques jours. Donc, record de passes décisives pour un joueur lors de la saison 2023-2024, saison dernière. Le record, le meilleur passeur, il avait fini avec 8 passes D. Je sais plus, ce qui est peut-être démêlé, je crois. Donc, Neves, il a déjà 4 passes D. Seulement 2 matchs. Hein. Il reste encore 32 journées, on peut dire, pour faire des passes D. Donc oui, il peut revenir et peut-être voir dépasser le record de la saison dernière par rapport aux passes décisives. Et sinon, les passes précises, les passes réalisées dans le match, c'est 39 passes réussies sur 42 tentées. Dribble subi, 0. Il n'a pas été dribblé, on peut dire. Duel gagné, 3 sur 4. Beau tir cadré, 0 sur 2. Il a tenté 2 frappes qui n'ont pas été cadrées, mais voilà. Il a été encore très important milieu de terrain. João Neves, un tout jeune joueur, bien sûr. On savait qu'il avait un talent. Et maintenant, on le voit du côté de Paris. On va parler aussi de Zaïre Emery qui a joué hier. Buteur Zaïre Emery et son match en statistique. Donc, 11 ballons récupérés, 7 duels remportés, 1 but. Une masterclass, gros gros match hein, de la part de Warren Zaïre, ça va lui faire du bien, hein, bien sûr pour la confiance, parce qu'il joue milieu de terrain, puis on sait qu'il y a de la concurrence maintenant du côté du milieu, avec João Neves qui est arrivé, Fabien Ruiz qui a fait un gros euro, et avec Vitinha bien sûr qui est intouchable, donc c'est pour ça que lui aussi doit faire un gros match pour rester dans le 11, surtout par rapport aux 3 milieux de terrain, et hier il a fait bien sûr une très belle partie, et c'est vrai qu'on va pas trop s'enflammer, mais le milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Zaïre Emery, il donne envie d'être revu ce milieu qui a commencé titulaire. Bon, c'est pas des joueurs super grands, hein, les 3, je sais même pas s'ils dépassent les 1m75 en taille, mais vraiment il y a du gros gros talent avec ces 3 là, en plus ce sont des joueurs
plutôt jeune, hein, Zagnoli, il a 18 ans. Genevet, je crois qu'il doit avoir 19, et bon, Vitinha un peu plus vieux, 21, 22 ans, c'est tout jeune. Bien sûr, tu peux rajouter dans la rotation Fabien Ruiz, genre avec plus d'expérience, tout ça. C'est que le milieu, là, il nous donne envie, hein, du côté de Paris. On va parler aussi de Désiré Doué. Là, je sais, première minute, Désiré Doué, hier, avec son nouveau maillot, bien sûr, du PSG, lui qui a été transféré la semaine dernière. Donc, on a une première réussie, même s'il n'a pas marqué, son équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important pour lui. On va parler aussi d'Hakimi, donc un but et une passe décisive pour Hakimi lors de ce match, hein. Donc Hakimi est de retour et encore un gros match de la part du joueur marocain. Et c'est vrai que du côté du PSG, on se demandait comment allait jouer le PSG après Mbappé, parce que Mbappé c'est celui qui plantait 40-50 buts par année voilà, depuis 4-5 ans. Et bien maintenant le gros point fort, c'est plus Mbappé, c'est le collectif, et ça je pense que c'est très bien pour le PSG, parce que le collectif parisien se régale en ce début de saison. Bon, j'ai pas tout cité, mais on peut voir là par exemple Neves, hein, je dis 4 passes D. Barcola, c'est 3 buts, hein, sur les deux premiers matchs. Dembélé, c'est 1 but et 2 passes D. Ou même Kangini, c'est 2 buts. Un but au premier match, un but hier. Donc voilà, tout le monde marque, tout le monde, enfin la plupart est décisif. C'est bon pour la confiance, pour les attaquants, pour les milieux, pour tout le monde. En plus, c'était grosse victoire. Donc voilà, actuellement le PSG démarre très très fort. Mais pas que le PSG avait concédé 2 matchs nuls lors des matchs de préparation. Mais là, ça fait 2 matchs de victoire. Un petit rappel, hein, le PSG saison dernière, 2 premiers matchs, seulement 2 points. Ils avaient fait un nul contre Lorient, un nul contre Toulouse. Puis là, ils ont enchaîné 2 victoires. Donc là, c'est bien mieux ce début de saison que la saison dernière. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Il a dit, c'est sans doute la seule équipe avec laquelle je peux jouer avec 7 joueurs offensifs, mais qui travaillent défensivement. Et ça t'oblige. Hein. Si tu joues avec beaucoup de joueurs offensifs, il faut qu'ils fassent les efforts défensifs. Parce que si les 7 joueurs offensifs ne défendent pas, c'est pas possible. Hein. Il n'y a pas d'équilibre. Mais il a dit que ben voilà, tu peux jouer parce que c'est des joueurs aussi qui défendent. Je crois que vous n'avez pas vu une star mais 16, hein, qui sont venus défendre les couleurs du PSG. C'est ça la perfection. C'est ça qu'on recherche. Hein. Peut-être là, il envoie peut-être une balle perdue à Mbappé, tout simplement. Que voilà, maintenant ces joueurs défendent. Peut-être à l'époque, hein, Mbappé lui défendait très peu. Et toujours avec Luis Enrique, c'est un travail fantastique de Luis Campos et Nasser. Il me donne les meilleurs joueurs et ensuite il faut les mettre sur le terrain. S'ils ne font pas ce que l'équipe a besoin, les joueurs savent qu'ils ne vont pas jouer. Donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Il a dit, voilà, moi je vous mets, voilà, vous jouez, mais si vous défendez pas, moi il y a un gars sur le banc, il va rentrer, il défendra, puis vous serez plus titulaire. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font les efforts défensifs. Si l'équipe est meilleure que l'an dernier, il a dit, on parlera de tout ça à la fin de saison. C'est vrai que pour l'instant, il ne peut pas dire. Tu peux pas t'enflammer, ces 2 matchs, 2 champions, en plus le Havre, Montpellier, qui ne sont pas non plus des cadors, on va dire, de la Ligue 1. On verra quand tu vas affronter un Monaco, un Marseille qui a été bien renforcé sur tous les matchs de Ligue des Champions. Là, vraiment, on verra ce qu'elle vaut, hein, cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais une chose qui est sûre, c'est que le PSG commence fort. Et pour la première fois en 2024, donc le PSG a enregistré 4 succès consécutifs en Ligue 1. Donc là, 2 là. Les 2 premières journées, la saison dernière, les 2 derniers matchs avaient été également 2 victoires du Paris Saint-Germain. Donc là, 4 matchs d'affilée en victoire en Ligue 1. C'est la première fois que ça arrive depuis janvier 2024. Et face à Montpellier, parce que cet adversaire, le PSG, c'est la proie favorite. Enfin, ils adorent jouer contre eux. Donc les 11 derniers PSG-Montpellier, bah, ça a été 11 victoires déjà du Paris Saint-Germain. Et surtout 44 buts marqués pour 7 buts encaissés. Donc voilà, festival. Hein. Donc là, 6-0 hier soir. Il y a eu un 6-2 en mars 2024. Il y a eu un 3-0, 3-1, 5-2, 4-0. Voilà, regardez, que des quasiment à chaque fois gros résultat. C'est vrai que c'est la bête noire, on peut dire, le PSG par rapport à cette équipe de Montpellier. Le PSG en ce début de saison, bah, c'est 2 matchs, 2 victoires, surtout déjà 10 buts marqués. On se disait avec Mbappé comment ça se passait. Maintenant, regardez, déjà 10 buts marqués en l'espace de 2 rencontres pour les Parisiens. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce match. Hein. Et juste une petite info, Marquinhos, le capitaine, a présenté le trophée de la Coupe de France remporté la saison dernière, parce que le PSG n'avait pas joué depuis, bien sûr, au Parc. Donc il a pu présenter cette Coupe de France remportée il y a quelques semaines face à Lyon. Et à noter aussi, par rapport à la pelouse du Parc des Princes, qui n'était pas super bonne. Donc voilà, c'est très rare de voir ça au Parc des Princes, parce que le Parc des Princes, à chaque fois, par exemple, saison dernière, c'est l'équipe qui a fini en première classe, enfin première au classement des pelouses. Hein, voilà, tu notes tout, hein, c'est les bonnes, tout ça. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal, on peut voir un peu de marron. C'est très très rare, hein, que la pelouse du Parc, les gars, ne soit pas en bonne condition. Enfin voilà, bon, on espère que ça va être rectifié très prochainement. On continue donc en Ligue 1 aujourd'hui, pas mal de rencontres. Donc à 17h, il y a une très belle affiche, Lyon contre Monaco. Lyon qui doit se ressaisir et se racheter du 3-0 qu'ils ont pris contre Rennes la semaine dernière. Reçoit Monaco, un gros morceau. Donc il y aura un Lille-Angers à 19h et ce soir Saint-Etienne contre l'équipe du Havre à 21h. Et également un match de Ligue 2, Lorient contre Grenoble à 14h30. Et tiens, on va parler rapidement de la Ligue 2 parce que vous savez que maintenant le multiplex, ça se joue le vendredi à 20h. Et quelques rencontres, il y a Metz joué contre l'équipe de Rodez et première victoire du FC Metz, hein, qui a été relégué. On sait, ils ont perdu au barrage contre l'équipe de Saint-Etienne. Ils ont gagné 3-1, hein, le FC Metz. Hein, donc voilà, parfait pour eux. Donc le Paris FC joue contre Dunkerque.
dire qu'un match fou, ils sont imposés 3-2 par FC. Pourquoi ça a été un match fou? Parce qu'ils perdaient 2-0. Le Paris FC à la 78e, donc Dunkerque 2-0, il reste un quart d'heure à jouer avec le temps additionnel. Ça sent bon, non les gars? 1-2, 2-2, 3-2. Voilà, 88e et en l'espace de 2 minutes, ils ont renversé le match, ils ont gagné le match. Donc les Parisiens sont co-leaders de la Ligue 2 avec Guingamp. Et à noter aussi que Pau contre Caen, le camp de Kylian Mbappé, oubliez pas qu'Mbappé, pourquoi je dis Mbappé? Parce que Mbappé a racheté le club de Caen. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc Pau s'est imposé à 9 contre 11, ils ont pris 2 rouges dans le match. Et bien contre Caen, 0, avec 2 joueurs en moins, ils ont quand même réussi à conserver ce but qu'ils avaient inscrit en tout début de match, et du coup victoire du Pau FC. Sinon les autres résultats, 3 qui avaient déjà pris un 4-0 lors du premier match contre c'était qui, contre Guingamp, ils ont perdu de nouveau contre Clermont, une équipe aussi qui est reléguée hein, cette saison à 0. Sinon je sais pas qui on n'a pas parlé, tiens Bastia a gagné 1-0 contre l'équipe de Amiens. Et au classement ça donne quoi? Donc Guingamp et Paris FC, les deux seules équipes à regagner leurs deux premiers matchs, donc en tête, après le FC Metz, Pau, Clermont. Et l'équipe de Troyes qui avait déjà, normalement les Troyes auraient dû jouer en national, ils ont été repêchés vu que Bordeaux n'a pas pu tenir sa place. Et ils sont déjà 2 matchs, 2 défaites, hein, cette équipe. De l'Estac de Troyes, le Red Star, bon ils ont un match encore à jouer, mais pour l'instant 16e à l'équipe qui avait été championne de national. Et tiens, en parlant du national, rapidement, on va parler juste d'un match entre Orléans et Valenciennes. Donc le match n'a pas pu se finir, pourquoi? Parce qu'il y a eu un incendie de la buvette du stade. Regardez, la buvette, les gars, elle a complètement pris feu, et du coup le match a été arrêté. Bon, il n'y a pas eu de victime, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu, mais voilà, vu que la buvette, les gars, a totalement pris feu, donc le match a été interrompu, donc il sera rejoué ultérieurement. On continue en clôture avec les matchs d'hier en France, on part un peu ailleurs, bien sûr, parce qu'il y a aussi d'autres rencontres. Par exemple, en Bundesliga, c'était le match d'ouverture, première rencontre, Gladbach contre le Bayer Leverkusen, 3-2 pour Leverkusen, et surtout une fin de match encore totalement folle. Donc Leverkusen menait 2-1, ils se font égaliser à la 85e minute de jeu, on se dit, bah, tiens, Leverkusen va commencer avec un nul, pas du tout. Florian Wirtz à la 90 plus 11 minutes de temps additionnel. Souvenez-vous, hein, la saison dernière, pas mal, plein de fois on en a parlé. Soit ils n'ont pas perdu un match, ils sont revenus, ils ont égalisé, ou soit ils ont gagné un match dans le temps additionnel, mais vraiment avec des minutes, 90 plus 6 plus 7. Là, c'est 90 plus 11 qu'ils ont mis ce troisième but, et du coup, ils ont gagné 3-2 hein, cette équipe de Gladbach. C'est fou hein, quand même, Leverkusen. Donc, 25 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts marqués. Ils continuent. Hein, voilà, Leverkusen n'a pas perdu la recette de ce qu'ils ont fait la saison dernière. C'est que Leverkusen, donc c'était avant le match d'hier. Donc là, ils étaient à 34, maintenant 35 matchs d'affilée en championnat, on peut dire, sans perdre. Ils sont plus qu'un match pour revenir sur le record d'Hambourg. En 82-83, ils ont enchaîné 36 matchs d'affilée sans perdre. Le gros multi-record, c'est le Bayern qui a enchaîné 53 matchs de championnat sans perdre de 2012 à 2013 sur 2 saisons accumulées. Ils n'avaient pas fait une saison entière sans perdre, mais c'était sur 2 saisons cumulées. Ils ont enchaîné 53. Donc là, ils sont à 35 à Leverkusen, parce que là, c'était 34, mais vu qu'ils n'ont pas perdu hier, montant à 35. Donc voilà, incroyable, quand même, cette équipe du Bayern Leverkusen. Et sur le premier but du match, donc c'est Granit Xhaka, il a marqué un sublime but. Regardez, hein, je sais pas, il a peut-être à 26-27 mètres, grosse frappe en pleine lucarne, magnifique but hein, du joueur suisse. Et côté Gladbach, donc il y a un joueur qui n'a pas joué, donc c'est Manu Koné. Gladbach a annoncé que Manu Koné n'est pas dans le groupe de ce soir pour le match contre Leverkusen, parce que en raison d'un potentiel transfert imminent, en gros, voilà, la plupart des joueurs, parce que là on arrive bientôt sur la fin de Mercato, et la plupart des joueurs qui se sont pressentis sur le départ ne jouent plus avec leur club lors des derniers matchs pour éviter une blessure, donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué hier. Il devrait être transféré, j'ai entendu, du côté de Milan, on verra, Milan on verra. Et du coup, avec la Bundesliga qui a repris, donc ça y est, maintenant on peut dire c'est officiel, les 5 gros championnats européens ont tous repris. Donc déjà, les 4 gros avaient repris la semaine dernière, et là c'est la Bundesliga qui a repris hier avec ce match d'ouverture, avec la victoire du Bayer Leverkusen. Aujourd'hui, du coup, en Bundesliga pour cette première journée, d'autres rencontres, le RB Leipzig joue contre Bochum, Dortmund-Francfort, belle affiche à 18h30, ou par exemple Fribourg-Stuttgart, à noter que le Bayern Munich joueront demain dimanche. Du côté de la Liga, on part et on va parler de cette belle rencontre. Séville-Villarreal, c'était hier. Et Villarreal, après avoir déjà accroché l'Atlético lors du premier match de partout, cette fois-ci, ils ont encore marqué 2 buts, mais ils n'en ont pris qu'un. Et cette fois-ci, ils ont gagné. Donc, 2-1, ils ont gagné Villarreal contre le FC Séville. Donc, Donjuma, qui est sur le départ, et Pérez, les gars, ont été les 2 buteurs côté Villarreal contre un but de Luque Bacchio. Nouvelle recrue hein, du côté du FC Séville. Donc, voilà, pourtant, ils ont dominé hein, Séville avec plus de 15 tirs, 9 tirs cadrés. Mais voilà, 8 arrêts quand même du gardien de Villarreal qui a fait un énorme match. Et du coup, Villarreal s'impose. Et Valence qui avait perdu lors du premier match contre le Barça, souvenez-vous, 2-1. Bah, de nouveau, ils ont perdu une défaite cette fois-ci 3-1 hier soir pour cette deuxième journée du côté de la Liga. Au programme aujourd'hui, belle affiche, hein, le Barça contre Bilbao à 19h. Nico Williams contre le Barça, un joueur qui aurait pu peut-être même rejoindre cette équipe du FC Barcelone. L'Espagnol Barcelone contre la Real Sociedad. Retafe Vallecano pour ceux qui veulent voir quand joue le Real. Les Real jouent demain soir, demain à 17h plutôt, contre
contre l'équipe Valadovic, quoi. Ça sera au Bernabéu. Du côté de la Serie A, également deuxième journée du championnat italien avec l'AC Milan Parme tout à l'heure à 18h30, la Lazio contre Udinese, l'Inter Lazio Monza, Genoa ce soir à 20h45. En Première Ligue également, il y a des rencontres aujourd'hui à 13h30, il y a toujours un match à 13h30 pour que ça soit vu en Asie tout simplement en prime time. Donc Manchester United se déplace à Brighton, hein, belle rencontre, les deux équipes ont gagné, Brighton a gagné 3-0 le premier match et United a gagné 1-0. Voilà, on verra qui gagnera ou qui aura un nul tout simplement. Donc City reçoit l'équipe de Ipswich. Ipswich qui a déjà joué Liverpool le premier match, ils ont perdu 2-0. Ils rencontrent cette fois-ci City, hein. Un gros début de saison pour le promu. Il y a Tottenham, Everton et Arsenal ira défier l'équipe d'Aston Villa. Arsenal 2e du dernier championnat, Aston Villa 4e. Là aussi ça va être bien sûr une très belle partie. On quitte l'Europe direction l'Arabie Saoudite. Il y avait également encore des matchs de la première journée qui a commencé déjà depuis avant-hier où Ronaldo a concédé le nul. Hier il y a eu des matchs, il y a encore des matchs aujourd'hui du côté de la Ligue Saoudienne et Al-Ahli, gros club, hein, bien sûr, du côté du championnat saoudien. Il joue contre Al-Oruba, donc une équipe promue, il monte là cette année, et 2-1 pour Al-Ahli. On peut avoir les deux buteurs d'Arissi et aussi Firmino, Roberto Firmino, buteur sur une passe D de Franck Kessié, l'ancien joueur du Barça. Donc voilà, match à sens unique, plus de 27 tirs, 7 tirs cadrés pour l'équipe de Al-Ahli, où Riyad Mahrez par exemple a joué. Et aujourd'hui au programme, on peut avoir 3 rencontres, l'équipe de Benzema, l'Ittihad joue contre Al-Khouloud et Al-Hilal, les grands champions, l'équipe grande favorite, la saison dernière, ils ont été exceptionnels. Le champion donc se déplace du côté de Al-Khouloud pour cette première journée, ça sera ce soir à 20h. Direction le Portugal aussi, on va parler du Sporting qui joue contre Farense. C'était la 3e journée de Liga portugaise. Et le Sporting 5-0. Là aussi un match à sens unique, mais surtout un joueur. Là on peut le voir les gars, deux fois il y a son nom. Et encore une fois son nom là, c'est Gyökeres. Triplé pour lui sur les 5 buts, il a marqué 3 buts. Donc là déjà les stats, hein, voilà, ça a été un match à sens unique du Sporting. Et Gyökeres s'offre un triplé avec le Sporting. Il est déjà impliqué sur 9 buts en 4 matchs. Regardez-moi ce début de saison qu'il vient de faire les gars, c'est quand même fou. Triplé là, lors du match avant, doublé. Le match avant, il avait mis un but et une passe D. Un match encore avant, ça a été un 2 passes D. Donc voilà, quel joueur, hein. Mais pas que c'est pas encore sûr qu'il reste du côté du Sporting, parce que le mercato est encore ouvert. Mais voilà, il commence très très fort du côté du Sporting, l'attaquant suédois. Et du coup le Sporting actuellement en tête, bon ils ont un match de plus que les autres, mais le Sporting c'est déjà 14 buts marqués pour seulement 2 buts concédés et 3 sur 3, 9 points sur 9 pour l'instant pour cette équipe du Sporting. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur tous les résultats d'hier. On continue maintenant avec plein d'autres infos aléatoires et on commence tout d'abord avec le Vélodrome, Marseille qui reçoit l'équipe de Reims demain. Donc Marseille aura une grosse affluence et ça sera guichet fermé, surtout déjà par rapport à ce mercato. Marseille a déjà beaucoup recruté. C'est que ce premier match, ils ont gagné 5-1. Donc demain, le public va répondre présent. Guichet fermé contre Reims, ça sera demain soir à 20h45, le coup d'envoi. On va parler des pelouses. Tout à l'heure, on a parlé celle du Parc des Princes qui n'était pas bonne. Et c'est 4 clubs de Ligue 1 sont victimes d'une pelouse en mauvais état depuis le début de saison. Donc celle du PSG, de Lille, de Monaco et de Nice. Et celle qui est la plus inquiétante, bon, c'est vrai que les autres aussi. Mais Nice, c'est vrai qu'elle est... Regardez Nice, hein, les gars, elle est vraiment pas bonne. C'est pas digne d'une pelouse quand même de Ligue 1 bien sûr. Et Franck Enz, hein, sur la pelouse de l'Allianz Riviera, donc il a dit, c'est le coach de Nice, hein, donc je suis allé la voir avec mon staff, je pensais honnêtement qu'on ne jouerait pas parce que demain Nice reçoit l'équipe de Toulouse. Il pensait que le match allait être mis à une autre date, qu'en gros il ne pouvait pas être joué. Il a dit, j'appelle ça de la vase en gros, je ne sais pas si c'est ça mais ça y ressemble un peu. Voilà l'état de pelouse, en gros c'est quasiment de la vase, je ne sais pas, c'est peut-être un champignon en gros qui a infecté toute la pelouse de Nice, hein, qui n'est pas du tout en bon état, mais demain se jouera quand même un match de Ligue 1 sur cette pelouse catastrophique. Officiel, Gérard Batic, l'ancien adjoint de Thierry Henry, devient le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Donc Henry qui a annoncé il y a à peu près une semaine, c'est fini avec l'équipe de France Espoir. Du coup, c'est Batic qui le remplace. Et la même chose du coup de l'équipe de France féminine, où c'est plus Hervé Renard, c'est Laurent Bonadet, voilà, qui devient le nouveau coach de l'équipe de France féminine. Il remplace bien sûr Hervé Renard qui va reprendre une équipe masculine. On continue, on prend la direction du Real Madrid. Et gros coup dur pour le Real parce que Jude Bellingham s'est blessé à la jambe droite à l'entraînement ce matin. Des examens sont en cours. Le staff du Real Madrid s'attend à un retour de l'anglais fin septembre. Donc voilà, fin septembre c'est un mois et une semaine. Donc voilà, ce sera un gros coup dur pour le Real Madrid de perdre Jude Bellingham là pour tous les matchs. Il prend les premières rencontres, déjà le match demain, les premiers matchs de Ligue des Champions qui aura lieu aussi courant septembre, les matchs aussi avec la sélection anglaise. Donc gros coup dur, hein, pour le Real, blessé un mois, Jude Bellingham. Et du coup, forfait un mois, donc c'était le moment de Arda Güler peut-être. Hein, peut-être ce sera lui qui va le remplacer. Mais bon, pour le match demain, ça devrait être plutôt ça. Le dispositif de Rodrigo devrait jouer en numéro 10, donc il devrait repasser, parce qu'il avait joué en 4-3-3 les premiers matchs. Là, il devrait mettre le 4-4-2 en losange, comme il faisait à l'époque, mais au lieu que ça soit
Bellingham en numéro 10, ce serait plutôt Rodrigo, et devant, ce serait ben, Mbappé et Vini Junior en numéro 9. Donc voilà, ça se peut que ce soit ça demain, la compo du côté du Real. Et du côté du Real, le mercato était très calme. De toute façon, le Real a déjà une équipe monstrueuse. Ils ont recruté deux gros joueurs, Endrick et surtout Mbappé. Il y a eu quelques départs, mais il a dit: nous ne recruterons aucun joueur de dernière minute ni aucun défenseur central. Le marché est fermé pour nous. Voilà. Un risque en défense centrale, il a dit non, nous avons Raúl Asensio, Jacobo Ramón ou Aurélien Tchouaméni qui peuvent aider. Donc là, deux jeunes joueurs d'équipe B, et Tchouaméni qui a un milieu de terrain mais qui peut toujours venir dépanner en défense centrale. Il l'a déjà fait la saison dernière. Donc voilà, il n'y aura plus de nouvelles arrivées. Ils voulaient l'Eniro, hein, ça le Real, ils n'ont pas pu le faire. Bon, Nacho a quitté le club, c'est pour ça qu'ils avaient pensé à l'Eniro, mais du coup, ils vont prendre personne. Voilà. Donc bon, j'espère que ça va le faire hein, pour le Real, parce qu'on n'oublie pas que saison dernière, pas mal de défenseurs blessés. Il y a eu Militao qui a été blessé un an, il y a eu Alaba qui est toujours blessé actuellement. Donc attention, parce que bien sûr, si t'enchaînes les blessures, ça peut être un gros problème. Concernant un gardien qui avait joué au Real, qui avait été prêté par Chelsea, c'est Kepa. Bon, il ne va pas revenir. Lunin devrait être la doublure de Courtois. Et Bournemouth, les gars, veut signer Kepa Arrizabalaga en prêt. L'une des autres options de Bournemouth est Aaron Ramsdale, aussi le gardien d'Arsenal, qui pourrait être aussi ciblé. Le FC Barcelone a demandé à Federico Chiesa de baisser son salaire pour venir au club, parce que le Barça veut soit Leao, qui est toujours dans la course, hein, bien sûr Leao, même si pour moi ça semble très compliqué, ou qui est beaucoup moins cher que Léo. Donc le Barça a demandé voilà, à Chiesa de descendre son salaire s'il veut rejoindre tout simplement le FC Barcelone. Le club doit cependant attendre de finaliser la vente de Mika Faye, qui va rejoindre normalement aujourd'hui ou demain l'équipe du Stade Rennais, pour ensuite entreprendre l'arrivée de Chiesa. Officiel, Simon Kadjur, donc défenseur danois, prend sa retraite internationale après plus de 132 sélections avec le Danemark. Voilà, légende, hein, bien sûr, 132, donc on peut dire que c'est une légende. Et on se souvient tous de son geste hein, qu'il avait fait lors du malaise de Christian Eriksen. Ça a été le premier, les gars, à sortir la langue de Christian Eriksen pour éviter qu'il s'étouffe hein, lors du malaise, hein, souvenez-vous, lors de l'Euro 2021. Donc voilà, il arrête avec le Danemark. Hein. Il continue avec son club, je ne sais plus trop où il joue, hein, Simon. Kadjur, je sais qu'il était là assez Milan, mais je ne sais plus s'il y est encore. Le Bayern Munich et la Juventus Turin restent attentifs à la situation de Milan Skriniar. Ce joueur, les gars, il est complètement écarté du PSG. Par exemple, hier, il n'était même pas dans le groupe. Même pas sur le banc de touche, non, il était pas dans le groupe. C'est pour montrer en gros que Luis Enrique ne compte plus sur Milan Skriniar, qui a rejoint le club l'été dernier pour un contrat de 5 ans. Il reste encore 4 ans au PSG. Bref, donc le joueur ne fait plus partie des plans du PSG. Du coup, il pourrait peut-être partir. Le Bayern et la Juve intéressés par Milan Skriniar, qui pour l'instant, lui, souhaite toujours rester du côté du PSG, mais ça pourrait peut-être changer, vu qu'il va très peu jouer cette saison. La liste de la République démocratique du Congo pour le rassemblement de septembre, hein, donc voici tous les joueurs convoqués. Donc franchement, l'effectif est très intéressant et prometteur, et surtout, regardez le joueur avant-dernier, Nathanael Mbuku. Donc c'est un joueur pourtant qui joue en équipe de France. Voilà, regardez, il a joué 43 matchs quand même avec l'équipe de France, jeune, avec soit les espoirs, avec les U19, j'en sais rien, mais plus 43 matchs, et il opte en gros pour la RDC. Donc c'est comme un coup dur pour les Bleus. Donc il a 22 ans, il sera présent bien sûr dans cette liste-là. Et à noter aussi un autre joueur français qui part lui du côté du Congo-Brazzaville. C'est un gardien, il s'agit de Melvin Zinga, 22 ans, opte pour le Congo-Brazzaville. Il comptait 31 sélections en équipe de France en jeune. On lui souhaite bien sûr bonne chance, il goal du côté de Angers. On va parler de l'abonnement d'Azone. On sait que d'Azone, hein, c'est un gros problème, c'est très cher, on le sait. Mais c'est vrai que, une chose qui est sûre, c'est qu'en Angleterre, eux, ils ont un pass Ligue 1, tous les matchs de Ligue 1, à 11,80€. Donc la LFP a annoncé ce vendredi la création d'un pass destiné aux téléspectateurs du Royaume-Uni et d'Irlande pour un accès à la totalité, tous les matchs hein, de Ligue 1, pour 11,80€. C'est que si on compare avec en France, nous, il faut payer, c'est 30€, voire 40€. Hein. 30€, c'est avec engagement, 40€, c'est sans engagement. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est 11,80€ pour suivre toute la Ligue 1. Donc voilà, c'est quasiment 3 fois, voire 4 fois plus cher. Hansi Flick sur le match face à Bilbao tout à l'heure. Hein, le Barça 19h et un Barça Bilbao, il a dit « Du côté de Nico Williams, nous avons un joueur expérimenté. Je peux dire que Jules Koundé s'occupera de lui. » En parlant de Nico Williams, c'est vrai que les deux déjà s'étaient affrontés lors de l'Euro en demi-finale France-Espagne, où Koundé avait plutôt fait un bon match hein, contre Nico Williams. Donc on verra. On verra ce que ça va donner hein, face à Nico Williams, qui aurait dû même signé du côté du Barça. Gaëtan Laborde devrait être forfait 2 à 3 mois avec l'OGC Nice. Ça, c'est un gros coup dur hein, pour les Aiglons. Il souffre d'une fracture du 5e métatarse suite à mauvais appui à l'entraînement. Donc forfait pour le match demain entre Nice et Toulouse. Et de 2 à 3 mois, il pourrait même être indisponible. Donc grosse force à lui et bon rétablissement à Gaëtan Laborde. On va parler de Mikel Olise. A de bonnes chances même de figurer dans la liste de Didier Deschamps jeudi prochain. Deschamps va dévoiler la liste des joueurs retenus pour le France-Italie, le France-Belgique, a prévu début septembre.
Et Olise Elega, il y a de fortes chances qu'il soit appelé, bien sûr, dans cette liste de l'équipe de France A. Ce serait la première fois qu'il serait appelé avec les seniors. Officiel et capitaine du Barça pour cette nouvelle saison a été choisi. Le capitaine numéro 1, c'est Ter Stegen. 2, il y aura Rojo, il y aura De Jong, il y aura Rafinha et il y aura Pedri. Voilà, si tout le monde reste, hein, parce que ça se peut qu'il y a quelques départs. On n'est pas à l'abri qu'un Rafinha ou De Jong soit vendu avant la fin du mercato. Mais voilà, pour l'instant, les 5 capitaines du côté du FC Barcelone. Et on va parler toujours du Barça et un départ. On s'en doutait parce que ça a pris des grosses rumeurs depuis 3-4 jours. On peut dire c'est officiel. Tout d'abord, Gundogan officiel annonce son départ du FC Barcelone seulement un an après son arrivée. Chers supporters, après seulement un an, il est déjà temps de vous dire au revoir. Je suis venu ici pour relever un nouveau défi passionnant et j'étais prêt à le relever. J'ai tout donné pour me battre pour l'équipe et le club de la meilleure façon possible dans une saison difficile et j'avais hâte d'aider mes coéquipiers dans la nouvelle campagne, la nouvelle saison. Maintenant, je pars dans une situation difficile, mais si mon départ peut aider financièrement le club, cela me rend un peu moins triste. Non, moi, ça a été un moment avec des expériences incroyables et des hauts et des bas. J'ai toujours voulu jouer au Barça et je suis très reconnaissant pour un souvenir, une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous souhaite le meilleur pour la saison et pour l'avenir. Les fans méritent de ramener ce grand club au meilleur du monde, Visca et le Barça. Donc voilà, c'est Gundogan en gros qui annonce son départ et il retourne dans la foulée. On a pris sa signature et il revient à Manchester City. Il a quitté City il y a un an, il revient déjà à Manchester City, Gundogan. Et Gundogan, il a dit, c'est tellement agréable d'être à la maison, de retourner à City, où il a remporté 14 trophées, hein, comme du côté de City, où c'était un joueur indispensable, essentiel à l'équipe de Pep Guardiola. Imaginez lui plus Rodri à côté, c'est très lourd, hein, du côté de City. Donc voilà, c'est officiel. Retour pour lui du côté de Manchester. Regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot de la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique, il est sublime, hein, ce maillot. Donc toujours de couleur orange avec un peu de vert et toujours avec Puma. Donc voici le maillot normalement. Bon, ça devrait être dévoilé très prochainement officiellement, mais ouais, il devrait ressembler à ça. Et aussi le Maroc, les gars, à quoi devrait ressembler le futur maillot de domicile du Maroc pour les prochains rassemblements. Donc là aussi très beau avec du rouge, du vert. Et par exemple, le flocage numéro 10, numéro 2 d'Hakimi. Et Puma de couleur dorée. Là aussi, il va être sublime, hein, ce maillot marocain. Officiel, Weston McKennie prolonge jusqu'en juin 2026 du côté de la Juventus Turin. Rien à rajouter de plus. Félicitations à lui pour sa prolongation. Lui aussi, prolongation est méritée, je trouve. C'est Luis Enrique qui prolonge du côté de l'OM jusqu'en 2028. Que de chemin parcouru depuis l'arrivée du jeune Brésilien. Et c'est pas fini. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, il arrive à Marseille. Il ne jouait pas les premiers matchs et il a été prêté à Botafogo ou un club comme ça. Il est retourné au Brésil, il avait une option d'achat. Club brésilien, les gars, ils ont dit non, on n'en veut pas, il est trop nul. Du coup, il est revenu à Marseille. Et là, sur cette deuxième aventure à Marseille, là, vraiment, il casse tout. Il a marqué un doublé lors du premier match. Puis même lors des derniers matchs, saison dernière, quand il était revenu de son prêt, il est incroyable. Donc là, Marseille l'a même prolongé. Luis Enrique, il a dit à l'OM, c'est le club qui m'a tout donné. Je suis habitué aux supporters et à la ville. Je suis vraiment content de cette prolongation. Donc tant mieux. Voilà, pour Luis Enrique, actuellement, l'un des meilleurs buteurs du championnat avec déjà 2 buts inscrits. Lévin Kurzawa, il y a des nouvelles de l'ancien parisien actuellement libre, hein, est prêt à rejoindre l'équipe de Brest, hein, vu que Brest a perdu Bradley Loco. Tendon d'Achille rupture, donc du coup blessé toute la saison. Et du coup Brest pense à Kurzawa. Il est aussi prêt à faire d'énormes efforts financiers, bien évidemment. S'il va à Brest, il ne touchera pas le même salaire qu'il joue au PSG, hein. Ça c'est pas possible. Donc il y a Brest, mais j'ai vu aussi que le PSV également suivait la situation de Kurzawa. Après, ça peut être officiel à tout moment, même après septembre, parce que vu qu'il est en fin de contrat, il peut rejoindre quand il veut l'un de ces deux clubs, ou voire peut-être un autre. Officiel, Pau Victor prolonge jusqu'en 2029 avec le FC Barcelone. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Parce que lui, Pépite, hein, il a été très impressionnant lors des matchs de pré-saison aux États-Unis. Et lui, c'est un numéro 9 déjà, du côté de. Enfin, il avait 18, mais c'est un attaquant de pointe, on peut dire. Donc peut-être ce sera l'après Lewandowski, sera lui, bien sûr, le buteur de cette équipe. Hein. L'OGC Nice, Youssouf Yazici, le joueur est actuellement libre. Et deux autres clubs sont également intéressés par le joueur turc, hein, qui a quitté officiellement l'équipe de Lille. Donc Nice est intéressé. On va parler du jeune Estevao Willian, 17 ans, a été appelé pour la première fois avec le Brésil. Donc il s'agit de Willian, mais son surnom c'est Messinho. Voilà, Messinho, on rajoute à la fin. Donc il a 17 ans, un moment magnifique quand il découvre aux côtés de sa famille sa première convocation. Il a été appelé là pour les deux prochains matchs du Brésil lors de la future trêve. Et voilà, sa famille, enfin son père, sa mère sont mis sur lui. Donc ce joueur, n'oubliez pas, Messinho, 17 ans, déjà il est né en 2007, voilà, c'est un crack, hein. Donc Chelsea l'a acheté, hein, c'est officiel les gars. Donc là il joue à Palmeiras, mais il est prêt à Palmeiras que Chelsea l'a acheté il y a quelques semaines. Chelsea l'a acheté 34 millions d'euros, enfin quelques semaines, c'était quelques mois, c'était l'hiver dernier. Donc voilà, son surnom, on dit Messinho, joue à Palmeiras en tant qu'ailier droit. Il rejoindra Chelsea le 1er juillet 2025, dans un an. Encore un joueur qui va débarquer à Chelsea. Donc ce joueur, les gars, va découvrir
la Seleção, l'équipe première. Il y a eu Hendrik, bah maintenant il y a ce joueur, les gars, qui va découvrir également l'Europe. Hein, ça sera l'année prochaine. Un autre joueur aussi découvre pour la première fois le groupe, la Seleção, l'équipe première brésilienne. C'est Luis Enrique, le joueur à droite, là, qui est appelé également pour la première fois du côté du Brésil. Officiel, Joachim Andersen quitte Crystal Palace et signe du côté de Fulham pour l'ancien Lyonnais. Montant du transfert, 35 millions d'euros qu'a déboursé quand même l'équipe de Fulham à Crystal Palace pour s'offrir le défenseur danois. Des nouvelles, tiens, de Mason Greenwood, hein, qui est bien actuellement du côté de Marseille, mais là on va parler en sélection. C'est vrai que peut-être il n'y aurait pas eu ce qu'il a eu dans le passé. Peut-être que ça serait un joueur certainement de la sélection anglaise, mais on sait que maintenant ça va être compliqué de revenir avec la sélection anglaise. Et bah, du coup, il veut représenter la Jamaïque. En gros, il a fait les demandes, les démarches pour changer de nationalité sportive et devenir jamaïcain et représenter les couleurs de la Jamaïque, parce que c'est qu'en Angleterre, peut-être qu'il pourra jamais revenir. Donc la fédération anglaise a reçu sa demande, il devrait certainement peut-être accepter. Donc voilà, concernant Mason Greenwood. On va parler de ce genre de Rennes. Donc il s'agit de Mathis Lambourde, est condamné par la justice à 2 ans de prison avec sursis. Qu'est-ce qu'il a fait, ce joueur? Donc le jeune espoir rennais, qui est né en 2006, va ensuite être poursuivi au civil pour déterminer les indemnisations à payer à la famille de la victime. Pour rappel, ce joueur, les gars, est coupable d'avoir tué accidentellement, une femme en trottinette électrique. Donc là, il a tué une piétonne de 51 ans, hein, qu'il a rentré dedans, elle est décédée. Toutes nos pensées déjà vont proches, bien sûr, de la victime. Donc voilà. Donc du coup, il a pris 2 ans de prison avec sursis. Il va devoir dédommager, bien sûr, financièrement la famille, mais bon, qui reverront jamais, bien sûr, cette personne. Donc voilà, concernant cette affaire que j'avais parlé il y a quelques mois, et du coup maintenant voilà, il est passé au tribunal et on sait le dénouement. Ferdi Kadioglu, donc à Brighton, here we go, ce joueur turc va débarquer du côté de Brighton. Donc il joue au Fenerbahçe, donc le Fener va recevoir 30 millions d'euros bonus compris pour le meilleur latéral du championnat turc saison dernière. Le joueur va s'engager pour les 5 prochaines années du côté de Brighton. Officiel également, Rémi Descamps signe pour 3 ans du côté de Lyon. Ça sent le départ pour Anthony Lopez, parce que actuellement c'est Perry le gardien numéro 1. Lopez actuellement le numéro 2, mais Lopez devrait partir, ça va être lui, Descamps, les gars, qui devrait maintenant être le numéro 2 du côté de l'OL. Un autre transfert officiel, c'est Sergi Roberto, légende du côté du Barça, 14 ans passé au club du FC Barcelone. Et bah, il quitte le Barça, on le savait déjà depuis quelques temps. Il s'engage du côté de Como, pour rejoindre par exemple Raphaël Varane. Donc, ouais, belle signature, hein. Et c'est que Como, les gars, ils ont fait quand même pas mal de joueurs intéressants. Varane, Roberto Belotti, Alberto Moreno, Pep Reina, ou bon, deux joueurs un peu moins connus, hein, l'Italien et l'Allemand. Donc, voilà, concernant cette équipe, qui a pour objectif, bien sûr, de se maintenir. Et cette équipe est coachée par Fabregas. Toujours avec les infos officielles, pas mal, tiens, d'infos à vous donner aujourd'hui de Mercato. Officiel, El Bilal Touré quitte l'Atalanta Bergame et signe du côté de Stuttgart. Prix du transfert, 18 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe allemande. Un autre transfert officiel, il s'agit de Valentin Barco, quitte Brighton et s'engage en faveur du FC Séville en prêt sans option d'achat concernant ce joueur qui jouait très peu, hein, du côté de Brighton. Et du coup, il va prendre, on espère pour lui, du temps de jeu du côté du sud de l'Espagne. Officiel également, c'est Sébastien Nanassi qui a été pisté depuis plus d'un mois à Saint-Etienne. Il était très proche de Saint-Etienne et du coup, il ne va pas à Saint-Etienne. C'est plutôt un maillot bleu. C'est à Strasbourg qui signe. Donc pour 5 ans, montant du transfert, 11 millions d'euros. Tu sens quand même la patte, hein, de Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, parce que Chelsea et Strasbourg ont le même proprio. Enfin, ils ont aussi le même proprio. Bon, on sait qu'il investit beaucoup de Chelsea, mais il investit également pas mal, hein, sur cette équipe de Strasbourg. Bon, c'est peut-être pas des joueurs hyper connus, bien sûr, mais c'est des très bons joueurs, des cracks, on peut dire. Donc, ça peut être intéressant ce que ça va donner, hein, du côté de Strasbourg. Voilà, Nanassi, hein, 2029. Donc, encore une belle recrue du côté du Racing. Du côté de l'OM, cette fois-ci, c'est officiel. Jonathan Roué quitte Norwich et s'engage à l'Olympique de Marseille. Donc, ça sera un prêt payant de 2 millions. Là, donc, la Marseille va payer 2 millions pour l'avoir en prêt pendant un an. Et avec une option d'achat obligatoire, l'année prochaine, ils devront payer 14,5 millions d'euros pour l'avoir entièrement. Donc voilà, ce joueur portera le numéro 17. C'est un ailier, les gars, c'est un ailier virevoltant. C'est que peut-être pas personne ne le connaisse, mais c'est un joueur vraiment qui est percussion, vraiment qui va vite, tout ça. Voilà le profil du joueur, qui a déjà participé à son entraînement. Tiens, un entraînement hier au Vélodrome pour Marseille, avant de recevoir demain l'équipe de Reims, où il sera présenté comme toutes les recrues du côté de Marseille, parce qu'il y en a eu pas mal. Regardez tous les joueurs qu'on signait du côté de Marseille. En plus, on rajoute aussi deux Urbil, nouveau coach. Voilà. C'est vrai que Marseille, les gars, peut faire vraiment une belle année, surtout qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, ils se focus quasiment à 100% sur le championnat. Ça peut être pas mal, on verra. Officiel, tiens, l'ancien Marseille, c'est Jordan Ayew, donc lui s'engage avec Leicester pour 2 ans. Montant du transfert, à peu près 10 millions d'euros avec les bonus, voilà, concernant Jordan Ayew, toujours en activité, toujours du côté de l'Angleterre. Clément Lenglet, donc lui, c'est pas officiel, mais on est très proche. Here we go, à l'Atlético Madrid, près de 700 options d'achat, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Barça de lâcher enfin Clément Lenglet. Un autre Here we go, c'est
Lukaku au Napoli. Here we go, ça y est, Lukaku va débarquer du côté de Naples. Montant du transfert, 45 millions d'euros, bonus inclus. Donc là, ça ne sera pas un prêt. N'oubliez pas que déjà, les trois dernières années, enfin les deux, il a joué dans d'autres clubs. Il a joué à l'AS Roma, il a joué également à l'Inter. Et là, normalement, il devrait partir à Naples. Voilà, Lukaku. Et du coup, il va arriver pour remplacer Osimhen. Parce qu'Osimhen, les gars, si... Enfin, Lukaku, c'est parce qu'Osimhen va partir. Il va trouver un club. Je ne sais pas, ce sera le PSG, Chelsea, j'en sais rien. Mais voilà, Lukaku débarque. Et c'est que Lukaku retrouve Antonio Conte, qu'il avait côtoyé à l'époque du côté de l'Inter. En tout, les deux, 95 matchs où Lukaku a inscrit quand même 64 buts sous Conte quand c'était son coach. Voilà, ça, bon, c'est plutôt pas mal, voire très très bien. Du côté de Naples, c'est pas fini. Donc, ils vont faire Lukaku. Ils ont fait Damien Neres, hein, qui a signé. Et aussi, ils pourraient faire également Scott McTominay. Parce qu'on peut voir que d'après Di Marzio, que Naples offre 25 millions d'euros à Manchester United pour s'offrir le milieu écossais. Officiel également, Samu Omorodion, qui était proche de Chelsea. Du coup, il ne rejoint pas Chelsea, il rejoint plutôt l'équipe de Porto pour 15 millions d'euros et 50% à la revente pour l'Atlético Madrid. Clause de sortie fixe à 100 millions d'euros concernant ce joueur qui a été prêté à l'Alavés saison dernière. Donc, ouais, il débarque du côté de Porto, il remplace Evan Nilsson, l'attaquant qui est parti lui du côté de Bournemouth. Un autre transfert officiel, c'est Martin Satriano, un joueur de l'Inter. L'Inter l'a prêté à Brest les deux dernières années. Ben, il rejoint le Racing Club de Lens en prêt. Il était pisté également par Marseille, mais du coup, il va à Brest. Hein, donc, il prend le numéro 9, laissé vacant après le départ d'Eli Wahi à l'OM. Un transfert qui pourrait se faire peut-être aussi dans le week-end, c'est Kevin Danso, le défenseur de Lens. Et ben, il est proche d'un accord avec l'AS Roma. L'opération serait d'environ 23 millions d'euros. Donc, ouais, il devrait quitter certainement. Et je ne suis pas sûr qu'il va jouer là ce week-end le match avec Lens en championnat, vu qu'il est très proche de partir à l'AS Roma. Et du coup, Lens aurait déjà son remplaçant. Il s'agirait de Terem Mongi pour remplacer Kevin Danso. Un prêt avec option d'achat est envisagé concernant ce joueur qui joue à Lutonto. Si je pouvais voir son maillot, il pourrait être le remplaçant de Kevin Danso. Un autre transfert aussi qui est quasiment imminent, c'est celui de Vitor Roque. Allez, Vitor Roque a supprimé le Barça de sa bio et de sa photo de profil Instagram. Son départ se précise, devrait partir en prêt du côté du Betis Séville, ce joueur qui a pourtant rejoint le Barça en janvier dernier. Et on finit aujourd'hui, pas de transfert, mais juste une petite photo, les gars, de Kim Kardashian a rendu visite à Vini Junior dans sa maison à Madrid. Kamavinga est également présent, ils ont fait tous une photo ensemble avec le fils de Kim Kardashian, qui est un grand fan de football, un grand fan du Real, et avec les deux joueurs du Real, Kamavinga toujours blessé, et Vini Junior, et on finit avec ça. Donc voilà les gars, ce long épisode, j'espère que ça vous a plu, beaucoup de grosses infos comme aujourd'hui. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée, et à demain.